Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de se retrouver. Ce match en perspective, c'est double confrontation contre le Lesotho. Vous savez que c'est un rendez-vous important dans la course à la qualification. On est à des matchs charnières. Donc, il s'agit de bien se préparer pour cette confrontation. Et à ce titre, j'ai appelé donc 24 joueurs. Dans les buts, nous aurons Saturnin Lagbé, Marcel Danginou, Fabien Farnol. En défenseur, Khaled Adenon, Youssouf Assogba, Sédou Barazé, Cédric Ntondji, Manuel Imoru, David Kiki, Johan Roche et Olivier Verdon. Au milieu de terrain, nous aurons Jordan Aleotti, Jérôme Agossa, Matteo Alainvi, Cécile Almeida, Rodrigue Cossi et Mama Sebou. Sur les attaquants, nous aurons David Gigla, Jodel Dossou, Chabel Gomez, Steve Mounier, Michael Potet, Sébio Soukou et Anan Tijani. Voilà pour cette liste. Je vous laisse apprécier et poser les questions. Qui veut poser la première question? Etienne Yamadé, le matin. Ah, merci. Pour constater, c'est vrai, ça a été la question pour vous, par contre, qui me rappelle donc cette rencontre en 2018, pour cette autre rencontre, on a pouvoir vous donner des questions. Je pense que c'est moi qui suis participé à la rencontre. J'ai remarqué son action. Est-ce que vous ne pensez pas que dans tout ça, il y a des réflexions et des questions qui se marquent et sur lesquelles vous êtes venu et vous participez? Non, je vais répondre simplement. Bien sûr que c'est toujours dommage de se passer de Stéphane, qui est, on sait la qualité qu'il a, on sait ce qu'il est capable d'amener à l'équipe et les différences qu'il est capable de faire. Maintenant, on parle de Stéphane quand il est aussi en condition. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'il est arrêté, qu'il n'est pas en activité. Donc, je pense que c'est pas un bien pour personne que de l'appeler dans ces conditions-là. Parce que même pour lui, il n'est pas prêt. Et n'étant pas prêt, il y aurait même un risque de contre-performance et vous seriez le premier à taper sur lui. Et voire même un risque de blessure. Et ce qui pourrait l'handicaper dans la recherche d'un club, parce que pour l'instant, sa priorité, et la priorité, elle est là. Donc voilà un peu toutes ces raisons, même si je le regrette, j'espérais qu'il aurait trouvé quelque chose après le match du Gabon. Malheureusement, ça tarde à se formaliser. Donc, voilà. J'espère que ça va vite se régler parce que d'abord, avant toute chose, il a besoin de retrouver un point de chute. Et je sais qu'il n'est pas bien tant qu'il n'aura pas retrouvé un club. La priorité aujourd'hui pour Stéphane, c'est de retrouver un club, de retrouver les terrains et la compétition. Après la question sur Stéphane Cotéon, Prosper a une question. Bonsoir. En tout cas, vous savez, de parler temps qui court, on ne peut pas se projeter dans le temps, vous le savez très bien, parce que l'actualité, des fois, est bousculée. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne n'est empêché de sortir de France, quoi. Donc, il n'y a aucune raison pour que les joueurs aujourd'hui soient empêchés de venir. Tout le monde peut voyager et quitter le pays pour rejoindre une autre destination. Maintenant, la problématique, elle est plus liée au transport, c'est ça qui m'inquiétait. Parce que, avec peut-être la baisse de fréquentation, ma crainte, c'est que Air France allège ses vols
On a pris des informations. À ce jour, il semblerait qu'il n'y ait pas de problème pour que les joueurs puissent venir nous rejoindre et puissent rentrer aussi après le match mercredi 18. Donc, le meilleur gardien local, à mon sens. Donc à partir de là, c'est vrai que ce n'est pas les meilleures conditions pour lui, puisqu'il n'a pas repris la compétition, même plus que tous les joueurs qui participent au championnat local. Maintenant, il a repris les entraînements, il a repris la. Il est, en tout cas, il est possible qu'il puisse s'exprimer dans de bonnes conditions. Après, c'est le troisième gardien. J'espère qu'il n'y aura pas. On souhaite tous qu'il n'y ait pas d'accident, ni pour Saturnin, ni pour Fabien. J'ai revu à l'eau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On a deux questions, si vous permettez. La première, c'est que pour la première fois, ou la seconde fois, vous avez convoqué les quatre joueurs. Je suis curieux de savoir qui est le quatrième. Pour le premier match, c'est Michael Potet, puisqu'il est suspendu. Ensuite, deuxième question. Vous avez convoqué Emmanuel Thibault. Qui va arriver, Maman Sénégou, et probablement Charles Tourné, qui évolue en national devant le national, qui sont tirés quand même de deux matchs de championnat avant le prochain rassemblement, c'est pas le même. J'aurais préféré que ça qu'il joue. Maintenant, ce sont les éléments tels qu'ils sont en France, et même si c'est dommageable, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai que la compétition s'arrête, ils ne vont pas jouer ce week-end, mais ils s'entraînent. Donc c'est un moindre mal en tout cas. Ça leur permet de rester, d'être prêts physiquement et même techniquement. Après, bien sûr que j'aurais préféré qu'il y ait des matchs. Malheureusement, c'est la situation, c'est une situation qui nous dépasse. Donc on est obligé de composer et de s'adapter par rapport à cette situation. Quelle question? Christian. Bonsoir. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? On ne t'entend pas bien. Oui, bien sûr, j'ai suivi pas mal de matchs. Je pense que le plus grand danger, c'est de penser que ça va être facile. Aujourd'hui, le Lesotho n'est plus une équipe qui prend des cartons comme il y a 5 ou 10 ans. C'est une équipe qui, si vous regardez son parcours lors des derniers éliminatoires pour la CAN en Égypte, et qui n'est pas passé si loin que ça de la qualification, ils n'ont pas perdu contre le Cap-Vert, ils n'ont pas perdu contre la Tanzanie qui s'est qualifiée, ils ont battu la Tanzanie chez eux. Ce qui les met dedans, c'est qu'ils ont perdu deux fois contre l'Ouganda. Mais leur parcours mérite le respect en tout cas. Et moi, je m'attends à des matchs difficiles parce que c'est tous les adversaires aujourd'hui en Afrique, vous savez, sont organisés, ils sont capables de faire de bonnes choses sur le terrain, ils sont capables d'être compétitifs, ils sont capables d'embêter les équipes. Donc, ne pas croire que ça va être une partie de plaisir. En tout cas, moi, tout le sens de mon discours, c'est de bien prévenir les joueurs. Justement, qu'il faudra être à 100%, il faudra être hyper concentré sur ces deux matchs si on veut atteindre notre objectif de prendre le plus de points possible. Christian, une dernière question. Oui, il y a des joueurs qui sont prévus en réserve, donc qui peuvent pallier les défections. C'est vrai que ma crainte, elle est là. Le Covid circule beaucoup actuellement en Europe, et je croise les doigts pour que nos joueurs soient épargnés par cette épidémie. Maintenant, on fera le bilan lundi prochain à l'arrivée de tous les joueurs. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. J'essaie d'anticiper en tout cas. Avec les joueurs qui sont sélectionnables, entre guillemets, parce qu'ils sont en club et qui s'entraînent,
Et j'essaie de composer avec ça. Je sais aussi, au niveau local, c'est difficile. Les joueurs, je crois qu'il n'y a que Ezaé et les Buffs qui ont repris l'entraînement à l'heure actuelle. Donc voilà la situation telle qu'elle est. Et il faut s'adapter par rapport à ça. Madame Bonsoir. Egan. En raison de la situation sanitaire actuelle, est-ce que vous avez des informations concernant le public présent ou absent? Bien, le stage commence lundi 9. Nous avons rendez-vous, on va travailler toute la semaine jusqu'au match de samedi. Et dimanche, nous partirons pour les autos par un vol affrété. Et nous rentrerons après le match. Voilà ce qui concerne le planning d'activité, en tout cas sur cette durée de stage. Après, pour la réponse pour le public, c'est pas moi qui l'ai. Ce sont les autorités sanitaires du pays qui vont décider, avec le concours du ministère des Sports et de la Fédération, qui vont décider, qui vont prendre une décision quant à la tenue de la rencontre et savoir s'il y aura du public ou pas de public. Bonsoir Michel. Bonsoir. Dites-moi franchement, dans quel état d'esprit pensez-vous aborder la rencontre? Je l'ai dit, l'objectif ce sera de prendre 3 points. Maintenant, déjà j'ai évoqué un petit peu le sujet en disant que voilà, je m'attends à un match qui soit difficile. Après, peut-être qu'on le rendra facile, ça nous appartient aussi. On est supposé être favori sur ces rencontres contre les autos. Maintenant, il s'agit d'être présent. On est capable d'embêter les équipes qui nous sont potentiellement supérieures. Maintenant, il faut être capable de battre les équipes qui nous sont potentiellement inférieures. Donc, tout le discours, il est là. C'est une équipe qui est performante, c'est celle qui sait s'imposer quand les adversaires présumés sont faibles et accrocher les adversaires qui sont présumés plus forts. Une autre question, et moi là-dedans. La cause de la France, quel enseignement vous avez tiré de votre dernier match parce qu'on n'a pas eu le temps de voir les images, on n'a pas eu le temps de voir les images. Quel enseignement vous avez tiré de cette rencontre et en quoi cela pourra vous servir pour Je crois que la première vertu, d'abord, c'était de se retrouver. Ça faisait presque un an, ça faisait 11 mois qu'on ne s'était pas vu. Et donc, de pouvoir se retrouver, de pouvoir retravailler ensemble, c'était déjà très très important dans l'optique de la préparation de cette double confrontation contre les autos. Et je dirais que globalement, je suis très satisfait de ce stage. D'une part, parce qu'on a bien travaillé pendant toute la semaine. Et comme on a bien travaillé, ben, on a aussi c'est un bon match ponctué par une victoire, donc globalement, c'est un stage qui a été satisfaisant. Maintenant, à titre technique, bien sûr que je tire des enseignements par rapport à la production des uns et des autres. Ça me permet d'avoir aussi un regard un peu plus précis des états de forme des uns et des autres, même si en sélection, les choses varient beaucoup. On n'est pas en club où on joue d'une semaine sur l'autre. Donc, quelquefois, des joueurs peuvent se retrouver dans un mois. C'est pour ça que je dis toujours, la semaine de travail me donne aussi des indications, quoi. Là, on va travailler pendant une semaine avant ce match contre les autos et ça me donne aussi des indications quant à l'état de forme des uns et des autres. Oui. Bonsoir. Bien, déjà, j'espère que. Parce que Sebio a été blessé contre le Gabon et depuis il n'a pas rejoué. Il doit faire son retour ce week-end. Il a déjà repris l'entraînement depuis la semaine dernière. Donc j'espère qu'il aura retrouvé une partie de ses moyens et qu'il va se rapprocher de son meilleur niveau. Après, ouais, c'est un joueur qui prend ses marques en tout cas et qui devient important dans l'équipe parce qu'il est décisif. On sait qu'il est sur une progression maintenant depuis 2 ans, il franchit des paliers. Aujourd'hui, il évolue dans un des championnats majeurs
d'Europe. C'est sûr que pour notre équipe, c'est un plus. Son avancée, ses progrès sont un plus pour nous. Ben, j'ai des choix à faire. Voilà, Moïse a très peu de temps de jeu avec son club. Il a fait juste un match de coupe de Pays-Bas, mais il n'est pas titulaire et il joue très très peu dans son club. Au contraire de Johan Roche qui joue régulièrement avec son club. Donc, voilà la différence est à ce niveau-là. Ben Marcelin, malheureusement, il a eu pas mal de petits soucis. D'une part parce que bon, il n'a pas pu nous rejoindre parce qu'il consulat, en raison du Covid, n'a pas voulu délivrer de visa à Marcelin pour nous rejoindre en France. Et la deuxième raison, c'est que les frontières de l'Algérie étaient également fermées. Donc il avait eu toutes les peines du monde à rejoindre son nouveau club. Donc il était en Tunisie, donc livré à lui-même. Et c'est à peine il y a quelques jours qu'il a pu rejoindre Alger et pouvoir commencer son travail avec son nouveau club. Et donc maintenant, il faut un peu de temps pour qu'il va refaire une préparation parce qu'il a été arrêté maintenant depuis début septembre. Donc ça fait plus de 2 mois qu'il est arrêté. Et donc ça passera par une phase de préparation pour lui. J'ai revu à nous. Dernière question pour quand on regarde dans l'analyse, Matteo Allegri, cette année-là, en fait, est-ce qu'il mesure un progrès? C'est vrai qu'on a déjà vu à faire des matchs en séparation de saison, où vous êtes pas vraiment réadapté avec le moment où vous êtes capable de faire la deuxième. Parce que la France prolongée, c'est un peu plus à augmenter un peu votre équipe, notamment la vue. On va nous parler au passé en avec des points à voir le dernier match. Est-ce que c'est la France de ce département, c'est-à-dire un joueur capable de créer une autre équipe qui va vous trouver à revenir à ce niveau à deux Oui, c'est une des raisons, mais pas seulement, parce que Stéphane a joué dans cette animation-là et dans ce système-là. Il a déjà joué au milieu de terrain, associé avec Jordan, je crois que c'était au Togo, si je me rappelle bien, le premier match. Même après, contre l'Algérie aussi, le match aller. Donc voilà, il a déjà évolué dans ce système-là, et il a d'ailleurs fait des très très bons matchs. Parce que ça nous ouvrait la possibilité aussi qu'il soit un petit peu plus bas, qu'il soit un catalyseur aussi pour les premières passes, pour les premières relances. Donc c'était une donnée technique qui rendait un peu plus performant. Maintenant, la réponse pour l'organisation et tout ça, je la donne samedi. Quelle question? Plus de questions? Plus de questions? Je reviens. On voit que vous avez Emmanuel Thibault. En tout cas, j'ai utilisé avec le bien avant cette dernière année, vu la chance d'avoir deux arrières aussi évolués à cette année. Aujourd'hui, Emmanuel Thibault évolue à la salle 3 sans faire un tir à sa salle 3. C'est vrai qu'il a déclaré qu'on avait un tableau qui n'était pas pressé de retrouver sa salle 3 pour ses collègues ou plus que ses collègues après. Donc, ça fait la salle 3 à 10 ans. Est-ce que vous envisagez de conseiller beaucoup comme de reprendre la photo de la saison puisque la CAN est en janvier 2022, c'est-à-dire en 2022, à partir de la fin de la saison et en attendant que le championnat de foot recherche quel signal vous envoyez aux jeunes joueurs du niveau notamment. Aujourd'hui, dans une des semaines, dans le trio des gardiens, en conservant le jeune joueur qu'on faisait, qui joue dans le championnat, en reste le second conservant le jeu, alors qu'il y a plus de 30 ans qui jouent.
Après, chacun a son jugement et son analyse sur les prestations et les qualités des joueurs, mais vous l'avez dit et vous l'avez rappelé, c'est un joueur qui est expérimenté, qui n'est pas encore en limite d'âge, on va dire, parce qu'il a encore quelques années devant lui. C'est un joueur aussi d'un très bon niveau. Maintenant, ce qui me guide, moi, c'est toujours le niveau de performance des joueurs, ce que je vois à travers les entraînements, ce que je vois à travers les matchs. Et tant que je suis satisfait du rendement, on continue comme ça. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'il y aura une vraie, véritable concurrence qui va s'instaurer dans les semaines ou les mois à venir. C'est toute la question. J'essaie toujours je suis toujours à l'affût de regarder de nouveaux joueurs, d'essayer de regarder dans le vivier local, de regarder dans le vivier des joueurs expatriés pour trouver des solutions, pour arriver à tripler les postes. Donc, voilà, on est dans cette logique-là. Aujourd'hui, comme je le dis, on peut avoir des avis divergents sur les prestations et les qualités des uns et des autres. Ça fait partie du métier. Pour la copine est là. Il n'y a aucun joueur actuellement qui peut jouer le rôle de Sessegnon, donc vous le savez bien. Sessegnon est un joueur très talentueux, un joueur de très haut niveau. Donc il n'y a personne qui peut le remplacer. Après, quand je dis remplacer, si, on peut toujours mettre un joueur, mais la question c'est de savoir est-ce que c'est le même niveau que Stéphane? Je lui répondrai pas non, quoi. Maintenant, ce sont des jeunes joueurs, ils sont tous avec une marge de progression devant eux. Et puis ouais, c'est à moi à harmoniser un petit peu tout ça. Ça revient avec la question de Jérôme Vivani tout à l'heure, quoi. C'est à moi à essayer de mettre en place quelque chose, une composition d'équipe avec les meilleurs joueurs du moment et dans le système qui m'apparaît le meilleur, le plus adapté en tout cas pour mettre en valeur notre équipe.